Hello, hello, hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, alors là, je profite de la nature, tiens, j'ai du bruit. La nature, c'est quoi? C'est fantastique. Donc, nous allons parler des huiles bio. Donc, alors, en ce moment, il y a une huile qui fait carton, l'huile de Jackson, qui cartonne sur les réseaux sociaux. Les commandes sont de plus en plus par semaine. Mais là, je vais vous montrer. Merci à tous ceux qui ont commandé, qui font confiance à cette huile avec beaucoup de vertus. Là, maintenant, nous avons cette huile, l'huile des quatre côtés, naturelle, cultivée en Afrique. Toutes ces huiles viennent des graines des épices naturelles cultivées en Afrique, certifiées bio, mises en bouteille en France. Donc voilà, l'huile des quatre côtés qui a beaucoup, beaucoup, énormément de vertus. On utilise ça pour, enfin, vous pouvez les utiliser pour vos cuissons, marinades, grillades, etc. On les retrouve aussi, la pâte, elle est super, super. Elle a un goût légèrement sucré, magnifique en bouche. On utilise souvent en pâtisserie. Alors, l'huile des quatre côtés, appelée aussi tétrapleura. C'est le nom scientifique appelé tétrapleura. Et le fruit de l'arbre aidant qui pousse en Afrique tropicale et utilisé comme condiment et épice dans la cuisine camerounaise, notamment dans le mbongo ou la sauce jaune. Son parfum et son arôme souvent utilisés dans les confitures, les arômes souvent utilisés dans les confitures, bien sûr, le chocolat, voilà, comme je vous disais, en pâtisserie. Des études de recherche auraient montré que le tétrapleura possède d'importantes vertus paludiques et analgésiques. Donc les feuilles, l'écorce, les racines et les graines sont utilisées dans la médecine traditionnelle utilisée pour les traitements suivants. L'hypertension, voilà, en baisse, le diabète, l'ulcère, les convulsions, l'asthme, l'épilepsie, la lèpre, douleurs rhumatismales, les inflammations, les règles douloureuses, infertilité, fibromes. Voilà, cette huile a énormément de vertus. Tout comme l'huile de Jackson, de Pébé, nos parents, nos grands-parents, nos arrières ont utilisé tous ces produits. Alors, ils les utilisaient dans beaucoup d'épices dans la cuisine. Ils étaient moins malades. Moi, je pense que ces huiles-là sont vraiment nécessaires et ça nous fait du bien à notre organisme et en plus, ça a beaucoup de vertus. Voilà. Moi, je ne dis pas que l'huile, certaines huiles, je ne citerai pas les noms, qu'on a tendance à utiliser tout le temps dans la cuisine, sont pas bons pour nos organismes. Mais on retrouve qu'il y a plusieurs, aussi par les recherches des laboratoires, plus de 20 000 laboratoires ont retrouvé que ce sont des produits naturels et biologiques qui ont plusieurs vertus. Donc voilà, continuez à passer les commandes sur le site que je vous citerai, je mettrai le lien en barre d'infos. Merci pour ceux et celles qui croient et ceux qui n'ont pas encore découvert. Je vous invite à découvrir. Hier, par exemple, ouais, j'ai fait les raviolis à ma fille. C'était des raviolis avec un peu d'épinards à l'intérieur. Les raviolis naturels, pas les raviolis en boîte. Hein. Et j'ai mis voilà, à la fin de la cuisson un film d'huile, un petit filet d'huile de Jackson. Mettez ça sur un peu les pâtes. Alors ça, c'était vraiment, c'était explosif en bouche. J'ai adoré, elle aussi d'ailleurs. Et voilà, l'huile de Jackson qui cartonne. Mais je vous invite à découvrir d'autres huiles aussi, hein, parce que là, c'est que l'huile de Jackson qui est la vedette, la star en ce moment. Mais je pense que les autres aussi, l'huile de Pébé, l'huile de... Il y a d'autres huiles aussi, allez-y découvrir sur le site et vous verrez. Merci à tous ceux qui ont commandé ces huiles bio.
qu'on peut utiliser pour le corps biologique. Bio veut dire sans engrais, sans pesticides. On peut les utiliser pour les sauces, pour la cuisine, les salades. Essayez-les sur les salades composées. Mais alors, quand on les met dans tout ce qui est les légumes naturels, par exemple les plantains, le manioc, tout, et dans nos sauces mettez, alors là, c'est voilà. Voilà, donc c'est naturellement, c'est les gras, le gras n'est pas, c'est pas gras, c'est vraiment naturel, ça nous fait du bien. Donc bon, on n'en met pas une tonne dans la cuisson, bien sûr, mais c'est un gras qui reste naturel, qui vous fera que du bien. Voilà, dans le corps, on a besoin de gras aussi, bien sûr, mais il y a le mauvais gras et le bon, enfin la mauvaise graisse et la bonne graisse. Voilà, le mauvais cholestérol, je voulais dire. Voilà, c'est pas pour mon dessin m'avait dit, je dis mais je suis forte, j'ai envie de perdre du poids un petit peu, me dit vous suffit de faire du sport, mais par contre votre taux de cholestérol, j'aimerais bien l'avoir, vous avez un bon taux de cholestérol. Donc j'étais d'ailleurs surprise et elle me dit vous alimentez bien, je dis bah je fais attention à ce que je mange, j'essaie de manger naturel. Et donc voilà, mais sur ce, pour que je ne fasse pas assez de sport, pour que je perde du poids pour ma taille. Donc j'ai un petit peu plus de poids pour ma taille, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est naturel, les produits consommés bio, consommés naturels, voilà, de plus en plus. Voilà, retournons aux sources, retournons aux sources comme nos grands-parents et arrière-parents qui cultivaient les produits naturels et bio. Donc voilà, merci de faire confiance à la pharmacopée africaine. Découvrez pour ceux et celles qui n'ont pas encore découvert ces produits-là. 100% bio, naturel. Et voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai oublié. Je fais mes vidéos souvent, Chef Solange Cooking sur YouTube. Chef Solange Cooking. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez, partagez, tout ce que voilà, on me voit pas souvent, je me fais pas souvent voir sur mes vidéos, mais là il fallait que je vous en parle le matin comme ça, en plein matin, naturel, sans maquillage, on parle des produits bio naturels, restons le plus naturel possible dès qu'on peut. Voilà, merci à ceux qui ont fait confiance, merci à ceux qui ont commandé ces produits, l'huile de Jackson, l'huile de Pépé, l'huile boisée, voilà, il y en a d'autres aussi, il y en a plein d'autres encore qui font partie de la pharmacopée africaine que vous n'avez pas découvert, que je vous invite à découvrir. En faisant les recherches, on retrouve des produits de qualité. Alors, voici les quatre côtés appelés scientifiquement Theta Pleura. Voici l'épicée en longueur, en origine, avec quatre côtés. Bon, une fois, voici, elle est broyée. Je vous explique en petits morceaux. Hein, les graines sont vraiment un petit peu dures, les côtés. Et puis, une fois... mixer une fois qu'elle a été broyée dans les appareils, qu'on extrait de l'huile, qu'on puisse extraire son huile. Une fois que l'huile a été extraite, on retrouve une pâte comme celle-là. Vous voyez, on dirait un carré de chocolat. La pâte, je l'ai gardée au frais, mais regardez cette pâte. Hein. Voilà, je l'ai cassée en deux. Vous avez vu la pâte, elle est magnifique. Voilà, bien ramollie. Bien ramollir, regardez ce que ça donne. Et moi, quand je la goûte, j'adore cette pâte, je la mange, elle est naturellement sucrée. C'est pour ça qu'on l'utilise plus sur les pâtisseries. On peut en faire du chocolat. Hein. Moi, quand je mélange ça avec un petit peu de miel, je mange cette pâte naturellement. Vous voyez, là, je la mange, là. Je vais prendre un petit bout. Elle est sucrée, elle a un parfum. Je sais pas, on dirait la fraise. Moi franchement, j'adore cette plante et j'adore cette épice, pardon. Oui, c'est végétal, hein, c'est tout ce qui est végétal, on peut dire plante, arbre et tout ça. Mais c'est vraiment, c'est joli. Moi, je cuisine avec cette huile, je la mets partout, surtout dans mes petits desserts de fruits.
Mais je préfère, je vous avoue que je préfère consommer la pâte comme ça. Je l'adore. Elle est super, super bonne. Elle a un goût vraiment. On retrouve, je peux dire, un peu de chocolat et un goût fruité, quoi. C'est vraiment super délicieux. J'adore manger. Comme. C'est pâteux, comme du chocolat. Et sucré en même temps, légèrement acide. Donc, moi, des fois, je peux rajouter un peu de miel. Et voilà. Je mange quoi là? Pour moi, je mange du chocolat. Voilà. Naturel 100%. C'est sucré, c'est légèrement sucré et acidulé en même temps. J'adore la texture. Moi, je me sens bien quand je consomme, quand je mange ces produits naturels. Voilà, je vous invite. Extrait d'huile, quand on a pressé, on a récupéré, on a pris son huile. Voilà ce que ça donne. La pâte. Voilà. Une belle pâte. Pour moi, c'est un chocolat, quoi, d'amande. J'ai l'impression de manger du vrai chocolat avec un chocolat mixé avec de l'amande. C'est super bon. Voilà. Ben, merci. Découvrez le tétraplura, scientifiquement appelé tétraplura, ou c'est un autre nom là. Je vous mettrai les liens en barre d'infos où vous pouvez retrouver sur le site les produits. Des huiles de la pharmacopée africaine, des huiles bio, 100% naturelles. C'est bon. J'en ai encore un petit peu. Je ne vais pas vous montrer dans la bouche. Mais c'est bon, c'est vraiment délicieux. On peut l'utiliser en cuisson. On peut aussi en faire mélanger la pâte avec une crème et en faire un traitement pour les cheveux aussi. Et la peau, tout ce qui est naturel. Bénéfique pour notre organisme, c'est-à-dire dans la cuisson, dans l'alimentation, dans les cheveux, la peau, les ongles, voilà, dans du cosmétique et en pâtisserie aussi. Merci de me faire confiance. Merci à ceux qui ont cru, qui continuent à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram. Merci à mes abonnés sur YouTube Chef Solange Cooking, la chaîne YouTube Chef Solange Cooking. Je sais plus, j'ai combien, peut-être 25 000 à peu près d'abonnés, un peu plus de 25 000 abonnés. Merci beaucoup. Merci aux magazines qui me suivent, qui m'envoient des mails pour que je puisse parler un petit peu de mon parcours, de moi. C'est vrai que j'ai pas souvent le temps. Je travaille aussi en plus de ça dans une grande chaîne de restauration que je travaille donc toute la journée. Et après, il me reste les soirées qui sont très limitées. Voilà, très peu de temps. Donc je disais et voilà, j'ai plus de batterie. Et on va se quitter. Et, voilà, je fais ce que je peux. Je partage et j'espère que vous partagerez aussi ces huiles bio, l'huile de Jackson, l'huile de bébé, j'ai nécessité, l'huile de quatre côtés. Voilà, ma batterie est terminée cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Regardez le lien en dessous de cette vidéo. À bientôt, au revoir. Bye. Merci.